de Saint-Rambert, l'équipe senior de Saint-Rambert est venue aujourd'hui pour un peu pour le bonus, hein, surtout pour gagner ce derby contre Saint-Vallier qui est toujours important pour Saint-Rambert. C'est chose faite avec la manière. Nous, on n'avait plus rien à gagner, on était invaincus, donc on reste invaincus pour cette première phase. Oui, l'équipe se porte bien. Depuis le début de saison, on était invaincus. On venait à Saint-Vallier pour rester invaincus, mais bon, un derby, c'est toujours compliqué à jouer. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Saint-Rambert était au-dessus et que voilà, Saint-Vallier a tenu une mi-temps, mais il y a eu quand même un joli match de rugby. Une équipe de Saint-Rambert vraiment, vraiment solidaire, vraiment propre, efficace cette année. Invaincue, on le savait. Un effectif magnifique par rapport à toutes les autres équipes de la poule. Après, on le savait, hein, on s'y attendait. Et puis ils sont à la hauteur de ce qu'on attendait. Une belle équipe en face, solidaire. Ils lâchent jamais, toujours des intervalles. Ça coule beaucoup. C'est vraiment une belle équipe, rien à dire. Challenge, ben on attend le tirage des prochaines poules pour la deuxième phase et ben c'est toujours d'être invaincu et même en deuxième phase on va essayer. On ne sait pas encore les équipes qu'on peut rencontrer mais je pense que ça va être de bons matchs et de bonnes rencontres en perspective. L'objectif c'est de jouer la troisième série et d'essayer de jouer les phases finales à Pompidou cette année et également de jouer la montée en première, deuxième série. Ouais, c'est un groupe qui est très jeune, donc c'est des jeunes qui aiment bien faire la fête et qui vivent bien ensemble. Donc à partir de là, quand on vit bien ensemble, il se passe que des bonnes choses sur le terrain également. Voilà. C'est énorme, c'est une chance, ouais, c'est très agréable. Alors aujourd'hui, il a manqué beaucoup d'état d'esprit, je pense. Le nombre de blessés qui ne vous aident pas, les cas Covid. Et puis ouais, l'envie, je pense que l'envie, on ne l'a pas mis à 100%. Et puis ouais, je sais pas exactement ce qui a manqué, mais ouais, l'état d'esprit, et puis voilà, quoi. Je pense qu'on s'est vu trop beau, on l'a pas assez travaillé, et puis voilà, ça va nous permettre de travailler beaucoup plus pour la suite du championnat. Maintenant qu'on sait où on va, et bien on sait ce qu'on a travaillé. Maintenant, on sait qu'on va être en troisième série, comme eux, et bien on sait à quoi s'attendre, on va devoir travailler là-dessus, parce que tous les week-ends, ça va être le même style d'équipe.